Bonjour. Good Fortune Secretary Gospel souhaite te parler en te racontant une toute petite histoire assez drôle et j'espère que tu le trouveras aussi de la même façon. Alors c'est l'histoire d'un enfant et tout ça qui grandissait en Europe, et un jour, il y a le grand frère qui a remarqué que sa mère n'arrêtait pas de le comparer à sa petite sœur, et lui comprenait pas pourquoi. Il comprenait pas pourquoi. Alors il demanda à sa petite sœur a dit elle dit rien, mais en tout cas ce qui est drôle c'est qu'elle s'amusait en tout cas, elle riait de ça. Et le grand frère, lui, il était très mécontent. Alors un jour, il y a eu un de ses amis qui est venu le voir et tout ça. Et donc, il a appelé son ami. Il dit, viens, je veux te présenter ma petite sœur. Et c'est alors que l'ami dit, oui, d'accord. Ils avancent et ils arrivent auprès de la fenêtre où il y avait la petite sœur. Et donc, il y a le grand frère qui appelle donc sa petite sœur. Et sa petite sœur, elle avance. Et quand elle avance à la fenêtre, elle voit deux hommes. Mais la petite sœur, elle était devenue une autre personne, en fait. Et le grand frère, il ne comprenait pas trop, puisque c'était sa petite sœur, en fait. Et donc, le grand frère, il dit, oh, tu vois, voilà, c'est ma sœur et tout ça, elle va bien et tout ça, voilà, voilà. En espérant qu'un jour, qu'elle va se marier et tout ça, nanana. Et son ami dit, ah oui, effectivement, et oui. Et en fait, l'ami, en fait, il voyait la fille. Par contre, la fille, elle est encore toute petite. Mais le frère, il savait aussi que sa petite sœur allait grandir un jour. Ce qui fait que, il y a l'ami, en fait, il n'arrivait plus à parler, en fait, il ne disait plus rien. Et la petite fille, elle ne comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait, mais elle voyait quelque chose, quoi. Elle voyait quelque chose en l'ami de son frère. Mais elle ne savait pas trop qu'est-ce que cela signifiait, tout ça. En fait, la fille, elle avait des cheveux crépus, elle était toute noire, toute noire. Il y avait ses yeux qui ressortaient de colombe et tout ça, qui n'arrêtaient pas de clignoter. Et donc, le grand frère, il ne comprenait pas, en fait, qu'est-ce qui se passait là. Et il ne comprenait pas non plus son ami, parce que son ami se connaissait avant, mais sauf qu'il ne parlait pas de la même façon quand il était auprès de sa sœur. C'est alors, en fait... Alors, c'est là que le grand frère, il intervient, il dit, « Ah, mais je vois que vraiment ma sœur, elle t'aime beaucoup, hein, tu sais, elle t'aime vraiment beaucoup. » Et lui, il fait, « Ah oui, c'est vrai ?» Et il rigole, mais il ne parlait pas non plus. Et après, il dit le grand frère, il dit, bon, c'est vrai qu'elle est encore toute petite, là, mais au moins, quand elle va grandir, je ne pense pas qu'elle va t'oublier, je ne sais pas pourquoi, mais je ne pense pas qu'elle va t'oublier, à dire, « Ok, d'accord, bah, très bien, et tout ça. » Et donc, des années sont passées, et un jour, l'ami de la frère de la petite, il est tellement qu'il travaillait, il s'est en sorti dans la vie, il a regardé, il s'ennuyait, en fait, il ne savait pas comment faire, et il est parti sur Internet chercher, disons, une sorte de vidéo intéressante. C'est là qu'il trouve sur une page où c'est nommé Good Fortune Secretary Gospel. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce pins encore et tout ça? Il commence à regarder. Il dit, ah, mais franchement, moi, je veux rien d'autre. Hein. Je veux seulement ça spécial pour moi, quoi. Je veux que la Good Fortune Secretary parle seulement pour moi, pour moi. Donc voilà, c'est un peu l'histoire que je voulais partager avec... avec toi, grand frère, bon voilà, hein, le guerrier noir, donc voilà.
Donc, c'est une petite anecdote que je voulais voir ça avec vous et j'espère que cela vous plaira beaucoup. Et si au cas où vous en souvenez, ben, gloire à Dieu, hein, gloire à Dieu. Si vous en souvenez pas, et ben, Dieu seul sait pourquoi. Et ça m'a beaucoup interpellée, même en parlant tout de suite, je me dis, waouh, mais Dieu il fait tellement de grandes choses que qu'il se passe tout entendement. Et voilà, donc Good Fortune Secretary Gospel, voilà, a pu partager avec toi, grand frère, le guerrier noir, Zach Moukassa. Donc voilà. Bon, bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse.